Une file inhabituelle attend devant le gymnase des Sept Arpents. Un match de basket ? Non. Ici, la famille du géant propose le grand showcase des cheerleaders. C'est le moment où on répète, c'est là où chaque équipe présente sa routine devant le public. Et ouais, c'est vraiment les dernières répétitions avant le championnat de France. Ambiance assurée, des tribunes pleines, le cheerleading à Souffle a pris une place importante dans la commune qui ravisse les 194 licenciés. C'est incroyable, l'ambiance elle est incroyable. Enfin, les gens du géant sont incroyables. Enfin, vraiment, le géant c'est vraiment une famille en fait. Et voir tout le monde, autant de gens venus nous voir, c'est incroyable. Et toutes les équipes, on s'entend bien, il y a plein d'émotions. Franchement, c'est trop bien. C'est formidable ce qu'ils font, vraiment, je suis fier de tous ces enfants. Il y a un engouement en Alsace, notamment à Souffle-Weyersheim, et on est ravis. En tant qu'habitant de Reichstätt, on est proche et ma fille est dans le club, donc c'est génial. C'est un vrai spectacle complet en fait. Il y a de la musique, de la danse, des acrobaties, tout le monde est de bonne humeur, ça met une bonne ambiance pour la journée, ouais. À Souffle, le cheerleading existe depuis 2007 et n'a cessé de grandir pour devenir l'un des plus grands clubs de France. On les forme dès le plus jeune âge et on les fait monter en compétences, aussi bien les athlètes que nos entraîneurs. On a une vraie filière de formation à Souffle dans le cheerleading. Une filière qui gagne. Le géant cheerleading, qui s'est séparé de la section football américain en décembre, revendique 5 titres nationaux et 20 podiums. L'an dernier, on avait 4 équipes en finale, on a fait 4 fois deuxième. Cette année, l'objectif, c'est au moins 2 titres et 2 podiums. Beaucoup d'ambition pour le géant cheerleading. Cette année, 5 équipes, soit 150 athlètes, défendront les couleurs de Souffle au championnat de France en Vendée, les 27 et 28 mai.